On va commencer par éplucher les pommes de terre. Le plat qu'on fait, c'est un plat que maman faisait quand j'étais jeune. On faisait... Jeune, jeune comment? J'avais l'âge des filles à peu près quand... Ado quoi. Elle nous faisait ça le vendredi, tous les vendredis. Parce que c'était poisson? C'était le jour du poisson. Bien qu'on ne soit pas... Pratiquant, maman, tous les vendredis, faisait du poisson. Bon, ça me va. Comme le dimanche, on mangeait du poulet. Hein? Bah oui, hein. Poulet rôti? Ouais. Beau poulet. Mais si tu veux, elle faisait ça avec de la morue. Et de la morue salée ou du cabillaud? La morue salée, mais bon, c'est pas grave. Ça, parce qu'elle a dessalé la veille. Dans du lait ou dans du lait? Dans du lait. Donc, dans du lait, c'est moi qui fais ça. Est-ce que tu veux peut-être que j'épluche aussi? Si tu veux, ça ira plus vite. Faut que tu te décales un tout petit peu, s'il te plaît. Moi, je vais prendre. Puis à l'époque, la morue était nettement moins chère. Nettement moins cher qu'actuellement, parce qu'actuellement, ouais. C'est un plat de luxe, la morue. Hein. Bah ça. Moi, je vais mettre là, parce que pas de place dans ton pot. Il faut dire aussi qu'il y en a de moins en moins... Dans les océans. Bah, les morutiers, enfin, les pêcheurs de morues, les morutiers, je pense. C'est faux. Ils allaient à Terre-Neuve, dans Saint-Pierre-et-Miquelon, par là. Ouais. Ah, mais c'est pas à côté de la France, hein. Ah bah non. Pas d'ici, non, mais... Ah, d'ici. Au Québec. Bah, c'est bien pour ça que Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont des îles françaises. Oui, toujours. Ah bon, là, on utilise du cabillaud, ça marche pareil. Oui, ça marche pareil. On changera juste les aromates pour que ça ait plus de goût. Oui. Bon, je vais s'enlever les yeux. Ok. Plus si est-ce que tu mets des légumes avec ou juste de la patate? Non, juste de la pomme de terre. C'est juste pomme de terre. Bah, tu sais, à l'époque, oui. On était quand même 11. Hein. Oui. Mais je sais plus si elle mettait du fromage ou pas. Ah, je sais pas. On peut faire un revisité. Hein. Voilà, tout à fait. Je vais les rincer. Attends. Ah, le poisson, je le rince. Hein. Oui, bah, rince-le. Quelle taille à peu près? Oh, excuse-moi. C'est pas grave. Comme je coupe ça en deux ou en trois? En trois. En trois, parce qu'elles sont grosses. Que comme ça, ça va? Ouais. Attends, c'est même comme ça. Ouais, c'est bon. Le poisson, faut le faire moins cuire que... Moi, je ne cuirai pas avec les pommes de terre. Ok. Parce que ça cuit très vite, le poisson. Donc, comme on le repasse au four... Ouais. Il va cuire au four. Ok. Donc, tu ne le cuis pas du tout? Ben, il va... Si, quand il va passer au oui, four. Oui, quand il va passer au four, tu ne le pré-cuis pas. Non. Merci. Combien de temps? Ben, les pommes de terre, d'habitude, combien de temps tu les mets à cuire? 6 minutes, mais il y en a beaucoup. 6 minutes? Ouais. Mais 10 minutes. Parce que ça repasse au four, donc non? Oui, oui. À la limite. Je vais le laisser à 6 minutes. Mais 10 minutes quand même. Bon, on va faire pour vite ça. Ok. On dit, on coupe le poisson. En deux. Ce serait pas en trois plutôt? Bah, ça réduit nos loin. Hein. Ok. Donc là, on a dit qu'on avait quoi, 1 kg de poisson à peu près? Oui, à peu près 1 kg de poisson. Là, peut-être un peu plus en trois, là, parce qu'il est grand, celui-là. Tu vas pas brûler. Et tu mets de la sauce que par-dessus à la fin, du coup? Oui. On assaisonne avec un peu d'aromate? Oui. Oui, pardon. Dire oui, mais ça ne gêne pas. Ma grand-mère disait... On dit pas ouais, on dit oui, grand-mère. Est-ce que tu remélanges? Je remélange un petit peu. Là, t'étales.
façon, ta sauce elle va s'étaler dans le plat. C'est pour ça qu'il faut pas laisser des trous là où on met le poisson, quoi. C'est ce que je veux dire. Mm-hmm. Sinon, la sauce, elle va jamais pouvoir passer. Mais on va en faire suffisamment parce que les pommes de terre, tu sais, ça boit. Ça absorbe. Ça absorbe, on remet quand même suffisamment de poisson. Voilà. Comme ça? Ouais, c'est bon. Pommes de terre. Aromates. Non, on ne mélangera pas, c'est pas grave. On triche. Oui, on triche. Parce qu'il est déjà tard, il est déjà 12h40, donc on utilise de la béchamel. La béchamel préfaite maïzena. Alors, 1 demi-litre de lait. Un quart. 2 quarts, ça fait 1/2. 2 quarts, chez moi, ça fait 1/2. Ouais, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je suis nulle en maths, hein, mais... Et moi, j'aime pas les fractions. Hein. Qu'est-ce que je n'aimais pas, ça? Je me souviens, c'est maman qui nous apprenait les maths. Tu te caches derrière la lampe? Ben ouais. Ouais, donc maman nous apprenait les maths et papa tout ce qui était littéraire, langue, français. Donc, faire bouillir 1 demi-litre de lait. Je me suis gênée. Oh. Quelle quantité? Je sais pas. On va râper et puis on verra. T'as vu ce morceau-là? Ça me plaît plus de neuf. Ouais, je sais pas, je vais le goûter d'abord avant. C'est bien. Où est l'autre? Il est avec Kaliani. Grotta. Oh, Grotta, c'est pas gentil. Allez, rap. Rappetons. C'est pas trop petit, hein? Je sais jamais lequel que c'est celui-là. Attends, mets-toi dessus. Et je rappe, et je rappe, et je rappe. Allez, tu peux le faire. On fait travailler les vieux ici. Bah, il faut bien, hein. Se rendre utile, payer ta pension. Contient du gluten. Oui. Donc ils disent pour 1 demi-litre, 6 pour une consistance fluide. Mais ça m'a l'air très très liquide quand même. Oui, mais c'est liquide. Hein. De toute façon, tu vas voir que les pommes de terre vont absorber. Tu vois que la sauce, elle se... Ouais, ouais. Elle se répartit entre les différentes couches. Eh ben, tu vois, il n'y a plus lacet, hein.